chers les téléspectateurs de Gandia Horizon TV, la chaîne des valeurs. Bienvenue dans notre émission éducation qui se portera aujourd'hui sur l'histoire et la géographie. Sur ce, nous avons l'honneur de vous présenter un professeur qui se dénomme Mouché Balde, quelqu'un qui est engagé, déterminé, toujours présent pour ses élèves. Un professeur qui dit jamais non à ses élèves. Un professeur qui est toujours là pour la réussite de ses élèves, qui ne dit jamais non et qui est toujours là. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui M. Souleymane Bazin, qui voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour, mademoiselle Diar. Vous avez l'honneur de vous présenter. Donc, comme vous l'avez bien dit, c'est M. Balde au lycée Samba Dion de Gandia, professeur d'histoire et géographie. Donc, vous me faites l'honneur de présenter un thème qui est intéressant, donc les relations Est-Ouest. Durant cette période de pandémie de Covid-19, où les élèves sont libérés depuis le 16 mars 2020, donc compte tenu de la situation au niveau national et international. Donc je profite d'abord de cette occasion-là pour vous féliciter, féliciter Horizon TV, qui a eu cette initiative ô combien importante pour les élèves qui ont vaqué les cours depuis le 16. Et vous, nous enseignants, vous nous donnez l'opportunité à nouveau de se joindre à eux pour animer donc des cours de révision. Donc c'est ça aujourd'hui l'importance du net. Mais auparavant, je voudrais quand même relayer l'information qui consiste à se maintenir plus ou moins dans les dispositions de la mesure prise par l'État, les spécialistes de la santé, à savoir le lavage des mains, en tout cas respecter les mesures qui sont prises au niveau national. Et c'est ça qui va nous permettre, nous, à notre niveau, de ne pas, si vous voulez, prolonger ce moment si difficile, donc nous permettre de lutter carrément contre cette pandémie de Covid-19. Donc je profite de votre antenne pour lancer un appel à la jeunesse, à la population de s'engager carrément pour endiguer cette pandémie qui terrorise aujourd'hui le monde entier. Et ici au Sénégal, la situation de plus en plus critique avec les cas communautaires, je crois, à notre niveau, on peut appliquer les mesures d'hygiène demandées. Et je vous remercie, vous jeunes, c'est tout particulièrement à Gandia qui sont engagés dans cette lutte-là. Donc, mes remerciements donc, aux responsables de cette chaîne-là. Donc, pour moi, un plaisir de présenter aujourd'hui ce thème, donc les relations Est-Ouest. Présenter en quelques minutes, c'est très court, sinon c'est une notion qui nous prend beaucoup de temps, 8 heures de temps, mais on va s'évertuer à résumer le maximum, dire l'essentiel par rapport à cette question-là, les relations Est-Ouest. Oui, comme il vient de le dire, nous allons essayer de discuter sur les relations Est-Ouest. Sur ce, vu que les élèves ne peuvent plus faire leur cours à l'école par les mesures prises par l'État. Donc nous vous laissons la parole, monsieur le professeur, en vous demandant qu'est-ce qu'on peut retenir sur les relations Est-Ouest. Voilà, merci mademoiselle Dior. Donc la question est très pertinente. Parler des relations Est-Ouest, c'est une vaste, si vous voulez, un vaste chapitre qui commence pratiquement en 1945. Pour terminer en 1991. Si nous devons aborder ce chapitre-là, nous allons essayer de le résumer en trois grandes phases, en trois grandes coupures. D'abord, qu'est-ce qui est à l'origine de la guerre froide, les relations Est-Ouest. Les origines, donc, qui va remonter pratiquement au milieu du 20e siècle, 1950-45, et même on peut descendre un peu avant. Et ensuite, aborder une longue évolution des rapports très tendus. Qu'on parlera, si vous voulez, de la coexistence pacifique entre 1953 et 1975. Et ensuite, terminer par la dernière phase qu'on appelle la guerre fraîche, donc de 1975-85 et fin de la guerre froide. Donc, voyez-vous, c'est trois grandes coupures que nous allons aborder. Pour nous, on n'abordera que ce qui est essentiel. Alors, parler des relations Est-Ouest, c'est des relations très tendues au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945, où donc, les États-Unis et l'URSS, pratiquement sortis vainqueurs de cette guerre-là, vont se lancer dans une opposition à la fois idéologique, économique et militaire, sans pourtant être une confrontation directe, mais ça va se prolonger tout au long du XXe siècle. Certains historiens, ils disent que les causes remontent un peu plus loin vers 1917. 1917, parce que simplement, c'était la révolution bolchevique, donc qui a vu naître le communisme. Depuis la révolution industrielle, il n'y avait que
le capitalisme qui était en courant à la fois idéologique et économique, dont l'hégémonie est portée par les États-Unis, donc il n'y avait pas encore un autre courant économique qui pouvait rivaliser le capitalisme. Donc la naissance du communisme en 1917 constituait ici une deuxième idéologie qui naissait dans le bloc de l'Est, et certains disent que les rivalités peuvent être situées à ce niveau-là. On peut venir également en 1941, lorsque la guerre est devenue mondiale, cette mondialisation de la guerre a fait émerger deux superpuissances, qui est l'URSS et les États-Unis. Donc en 1941 également, c'est un moment fort qui fait que finalement on peut situer donc, les débuts de cette opposition-là. Mais le moment le plus déterminant, c'est entre 1945 et 1947. C'est là où on va situer les vraies causes et qui vont constituer une situation difficile dans les relations internationales, parce que, souvenez-vous, quand on parle de la résolution du conflit de la Seconde Guerre mondiale, les conférences de paix, à ces conférences de paix, en réalité, ont pu faire émerger également une opposition dans des périodes très difficiles, particulièrement la conférence de Yalta en 1945, ensuite la conférence de Potsdam pour la même période. Il y a eu quand même un certain sentiment de méfiance qui va naître et qui va constituer un temps fort, et finalement faire installer un sentiment, si vous voulez, de doute et de méfiance entre les deux superpuissants nés de la Seconde Guerre mondiale, donc qui constitue un élément fort. Mais le plus essentiel, c'est en 1947, 46-47, où les choses deviennent beaucoup plus sérieuses et la rivalité devient une réalité qui émerge, et en même temps, de plus en plus, le monde se constitue en bloc. D'abord en 1946, dès le 12 mai 1945, Churchill, le premier ministre britannique à l'époque, avait déjà émis une alerte sous forme de télégramme qui indiquait que l'Europe est menacée, si vous voulez, d'une coupure qu'il a dénommée ce qu'on appelle le rideau de fer. Selon lui, ce rideau de fer, c'était une coupure entre l'Est et l'Ouest de l'Europe qui est provoquée par l'URSS. Donc, on est en 1945. Il réitère cette alerte en 1946, au mois de mars, quand il se déplace au niveau des États-Unis pour lancer encore une nouvelle fois l'alerte auprès des Américains, en particulier le nouveau président qui a remplacé Roosevelt décédé, donc au mois d'avril 1945. Donc, il indique que l'Europe est complètement menacée d'une coupure, et cette coupure-là n'est rien d'autre que la volonté soviétique de créer un glacis protecteur au niveau de l'Europe. Et c'est ça qui va surtout exacerber les situations, et les informations sur lesquelles le président lui-même avait reçu, américain, donc Truman, avait reçu de ses diplomates basés au niveau de l'URSS à l'époque à Moscou, indiquait que l'URSS a une volonté expansionniste par rapport au communisme. C'est cette expansion-là, selon eux, qui constitue le vrai danger. Donc, voyez-vous, déjà, il y a eu cette opposition qui est en train de naître. C'est à partir de ce moment qu'une prise de conscience au niveau des États-Unis devient une réalité, et à partir de ce moment-là, le président Truman va établir une politique de ce qu'on appelle une politique d'endiguement dès le mois de février 1946. Donc, en février 1946, il dit désormais, je crois qu'on va établir une politique d'endiguement pour empêcher l'expansion soviétique. Donc, voyez-vous, cette volonté des États-Unis d'endiguer l'expansion du communisme déjà entraîné une situation particulière où il opposait les États-Unis et l'URSS. Donc, de leur côté, donc l'URSS également avait compris que désormais il faut qu'ils prennent leurs responsabilités pour faire face à cette volonté américaine, donc de bloquer, si vous voulez, leur ambition réelle de vouloir étendre le communisme en tant qu'idéologie, mais également en tant que système économique. Donc c'est là que va naître, si vous voulez, les rivalités réelles, et tout va être aggravé à partir de 1947, lorsque, à partir de ce moment, Truman décida, grâce à ses conseillers, donc d'appliquer les pleines mesures de ce qu'il avait appelé l'endiguement. Donc on est ici en 1947, il dit désormais que le monde libre est menacé, il prononce ce discours-là au mois de mars 1947, il dit que le monde libre est menacé et désormais la politique extérieure des États-Unis va être fondée sur l'endiguement. Donc voyez-vous, la situation devient catastrophique. Et à part de cela, l'Union soviétique également, craignant l'Occident qui était en train étendre, si vous voulez, ses influences, surtout avec les puissances européennes, même si elles sont un peu diminuées par cette Seconde Guerre mondiale-là, donc la guerre froide commence à être une réalité. Et ce qui va aggraver la situation,
C'est justement le plan Marshall qui devient également une idée forte qui a été proposée par George Marshall le 5 donc, juin 1947 qui constitue donc, une aide américaine pour la reconstruction de l'Europe. À l'époque, l'Union soviétique était concernée, si vous voulez, par ce plan Marshall. Mais au bout de quelques mois, au mois de juillet, 17 juillet précisément, l'Union soviétique comprenant que l'aide est liée, donc ils vont purement et simplement sortir, si vous voulez, de ce plan-là et s'opposer catégoriquement, si vous voulez, à, en tout cas à leur niveau, le bloc de l'Est, de participer, si vous voulez, à cette aide financière proposée par les États-Unis. À partir de ce moment, l'Union soviétique décida, à son tour, de convoquer le 30 septembre 1947 au niveau de Varsovie, à Pologne, justement une assemblée générale pour indiquer carrément que tous les pays qui sont dans le cercle soviétique ne devront pas, si vous voulez, prendre cette aide américaine-là. Et à partir de ce moment, Zhdanov prononce un discours qui était très édifiant, indiquant complètement que désormais on est dans une situation exceptionnelle, originale, parce que le monde est divisé en deux blocs. Ceux qui sont avec eux, donc l'URSS, qui sont des démocrates, donc qui défendent les libertés, et ceux qui sont contre eux, les États-Unis et leur camp, qui sont en réalité des dictateurs et consorts. Donc, voyez-vous déjà un schéma très clair et affiché par l'Union soviétique. Soit vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous, et le monde venait de voir ici, donc si vous voulez une division réelle, donc le monde est divisé en deux blocs. Et c'est la course, à partir de ce moment, de l'installation des institutions, à la fois militaires, à la fois politiques, à la fois économique et automatiquement un certain nombre de conflits donc, va naître au sein de l'Europe et dans le reste du monde et c'est ça qui constitue ici le début de la guerre froide à cet effet. Et quand on parle de ce début de guerre froide, rapport de force, donc pour l'Union soviétique, ils vont essayer de mettre en place des institutions et pour le bloc de l'Ouest, ils vont également essayer de mettre en place d'autres institutions. Donc l'institution d'abord militaire. Pour les États-Unis, on est avec l'OTAN. On est en 1949. L'institution économique, on a l'OEC, l'Organisation européenne de coopération économique, qui doit se servir donc, du plan Marshall, l'argent du plan Marshall pour reconstruire l'Europe. Donc on est dans le cadre ici économique et même politique, c'est eux. Donc le Conseil européen qui est également mis en place dès 1949. De l'autre côté, donc, l'URSS est également mis en place ce qu'on appelle le KEM, voilà, le Conseil des sang économique mutuelle. Qui permet aux pays membres de Varsovie, donc de l'URSS, en fait dans le bord de l'Est, si vous voulez, de céder mutuellement. Mais dès 1947, ils ont déjà créé ce qu'on appelle une police politique, le Cominform. Le 30 septembre, donc 1947, à Varsovie, ils ont créé déjà cette commission-là, qui en réalité est chargée de surveiller tous les pays membres de l'URSS, de ne pas prendre, si vous voulez, cet Américain-là. Donc voyez-vous, cette situation est devenue originale, et là, les conflits ont carrément démarré. C'est ça qui constitue d'abord le début du conflit. Donc, vous voyez aussi, on se résume. On remonte à 1917. 1917, c'est d'abord la naissance du communisme en tant qu'idéologie et doctrine d'État, avec la révolution bolchevique de Lénine. En 1941, deux superpuissances intègrent la guerre, et la guerre est devenue mondiale. Donc, cette rivalité-là est déjà là. Ensuite, en 1945, le problème réel au niveau, si vous voulez, de résolution du conflit lors des grandes conférences de paix, la conférence de Yalta, la conférence de Potsdam, il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas résolues au niveau des Balkans, le cas de la Pologne et même de l'Allemagne qui est divisée. C'est ça qui constitue un véritable problème. Ensuite, à partir de 1946, on doute, s'installe au niveau des alliés, Churchill se méfie complètement de l'URSS, et l'URSS également, qui voit du Royaume-Uni des gens qui s'opposent radicalement à leur politique. Donc en 1947, si vous voulez, la question est devenue ouverte, le monde s'oppose, des institutions sont créées de part et d'autre, alors on est entré carrément dans ce qu'on appelle la bipolarisation. Okay, ouais. Sur ce aussi, je pense que l'État-Unis avait demandé à l'URSS de déclarer la guerre au Japon pour cesser la guerre. Et l'URSS n'a pas fait ce qu'il avait prétendu faire. Et sur ce, l'État-Unis a décidé de ne plus faire confiance à l'URSS. Ça a amené la méfiance entre eux deux, je pense. Exactement. Vous avez parfaitement raison, c'est lors de la conférence de Yalta, donc en février 1945, donc du 4 au 11 février. Les États-Unis subissaient au niveau de la guerre du Pacifique de véritables saignées.
à cet effet, effectivement, que la guerre est presque finie en Europe, parce qu'il nous reste quelques mois, au mois de mai, la guerre est finie. Ils savent que la contre-offensive est totale, mais la guerre du Pacifique contre le Japon reste entière. C'est dans ce cadre-là que les États-Unis, en pleine conférence, ont sollicité l'Union soviétique à déclarer la guerre, si vous voulez, au Japon. Et ceci, l'Union soviétique, malheureusement, va poser des conditions. Et ces conditions qui sont posées constituent, si vous voulez, un moment de surprise pour les États-Unis, et ça va amener plus tard, si vous voulez, ce sentiment de méfiance-là. Et d'ailleurs, lorsque Roosevelt disparaît et l'arrivée de Truman au pouvoir, lui, il disait carrément qu'il arrêtait complètement de pouponner l'Union soviétique, il faut entrer, si vous voulez, dans une situation de confrontation. Donc ce moment-là, c'est un moment très fort qui fait que finalement, le sentiment de doute et de méfiance venait à s'installer. Et surtout, la question de la Pologne et de l'Europe balkanique n'est pas encore résolue. Et la question de l'Allemagne qui doit être divisée et même ce qu'on appelle les réparations de guerre. Or, souvenez-vous, en 1941, la commande atlantique, ce que Roosevelt avait édité avec Churchill, qu'en réalité les guerres territoriales ne devraient pas faire partie des résolutions de cette seconde guerre mondiale. Voilà qu'à Yalta, on pose les conditions de réparation de guerre. C'est un moment également de doute qui s'installe et il ne paraît pas la question en tant que telle. Effectivement, Yalta est un problème également dans le début, si vous voulez, la naissance de ce conflit qu'on appelle la guerre froide, à cet effet. Et si on prolonge au niveau de Potsdam également, quand Truman arrive, il n'a plus le comportement de Churchill qui essaie toujours de trouver une solution avec, si vous voulez, Staline. Truman, lui, donc Roosevelt qui essaie toujours de trouver une solution avec Staline, mais Truman n'est pas de ce genre. Lui, il est très pragmatique et il se méfie carrément. Et c'est ça qui va construire des moments difficiles au niveau de la résolution des conflits. Au lieu que les camps de paix résout carrément les conflits de la seconde de guerre mondiale, finalement, également, ce sont ces moments de résolution que va émerger un certain nombre de difficultés qui finiront par amener ce qu'on appelle l'éclatement de la grande alliance de guerre à cet effet. Donc c'est un moment également très difficile. Et si on vient à partir de 1947, comme vous l'avez indiqué, donc je l'avais souligné tantôt, donc ici l'opposition est devenue très claire avec le plan Marshall, avec la politique de la doctrine Truman en 1947, constituent les vraies causes immédiates de ce qu'on peut appeler ici les causes de la guerre froide. Et à partir de 1948, on entre carrément dans ce qu'on appelle les manifestations, les confrontations. Et à ce niveau-là, donc en Europe, on peut citer un certain nombre de problèmes, de conflits qui émergent, surtout avec le printemps de Prague, mais également le premier blocus de Berlin, donc en 1948. Et si on remonte de l'autre côté, en Asie également, on peut avoir les mêmes conflits qui naissent à cet effet. Ok, monsieur. Avant de bien expliquer les manifestations et entrer directement dans le but, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, nous allons revenir dans quelques minutes. Passons à la publicité d'abord. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Merci, chers amis téléspectateurs. Nous allons revenir sur le plateau. Monsieur Valdé, vous avez la parole. Donc, si on se répète, si on se résume par rapport aux causes, donc nous avons ce qu'on appelle les causes plus ou moins éloignées et les causes immédiates. Donc, c'est indiqué que les causes éloignées peuvent être remontées à 1917, avec la naissance du communisme, la révolution bolchevique. 1941, les États-Unis et l'URSS donc entrent dans la guerre qui devient mondiale, mais cette guerre, cette mondialisation de la guerre faisait émerger ou fait émerger deux super puissances. Cet effet. Et ensuite, deuxième niveau ou troisième niveau dans cette cause plus ou moins éloignée, on est en 1945. 1945, j'ai indiqué que ce sont surtout les conférences de paix qui ont souvent soulevé un certain nombre de questions qui
qui ont fini de semer le doute entre dans le camp des alliés. Et à partir de 1946-1947, les choses deviennent très claires et 46-47, c'est les causes immédiates, si vous voulez, de la guerre froide. Quand je rappelais tout à l'heure que Churchill, très tôt, en 1945, avait émis l'alerte et a confirmé en 1946 que l'URSS était une menace. Et c'est ça plus tard, avec la volonté des diplomates américains basés à Moscou, qui vont conseiller à Truman, si vous voulez, d'appliquer une politique d'énigme pour empêcher l'expansion du communisme. Et dès l'instant que cette idée est mise en avant, alors l'URSS voit à ce niveau-là une menace et elle doit s'assumer. En 1947, donc Truman effectivement lance ce qu'on appelle la doctrine, donc la doctrine Truman, la politique de l'énigme. Tout ceci va être aggravé à partir du 5 juin, donc par le plan Marshall, qui va être rejeté en tout cas par l'URSS naturellement, et c'est le début, si vous voulez, d'un conflit très ouvert, début de la guerre froide. Et c'est à ce niveau-là que le journaliste américain Walter Lippmann parlait qu'on est en face d'une guerre froide, même s'il n'y a pas une prise d'armes directe entre les belligérants, mais on voit ici une opposition à la fois idéologique, économique et politique, donc on est carrément dans la guerre froide et la bipolarisation du monde. Donc vous parliez tout à l'heure, les manifestations, comment, si vous voulez, cette guerre-là va se manifester, comment elle va évoluer par rapport aux relations internationales. Effectivement, on a deux niveaux. D'abord, la construction des camps avec des organisations, telles que je l'ai indiqué, à la fois politiques, économiques et militaires, de camps de l'Ouest, mais également de camps de l'Est. Et dans la deuxième phase, c'est la confrontation directe. En 1948, le 25, si vous voulez, février 1948, au printemps, il y a eu une confrontation entre l'URSS et le Bloc de l'Ouest, surtout au niveau de Tchécoslovaquie, donc ce qu'on appelle le printemps de Prague, où ce pays, profondément touché par la guerre, avait voulu bénéficier du plan Marshall. Mais les partisans communistes ont refusé catégoriquement, si vous voulez, être soutenus par l'URSS. C'est ça qui va entraîner une confrontation, mais fort heureusement, le camp de l'Ouest, particulièrement les puissances européennes, ont réussi à convaincre les États-Unis de ne pas s'engager dans une guerre ouverte contre l'URSS. Il faut qu'ils abandonnent, si vous voulez, laisser Tchécoslovaquie partir dans le camp de l'Est. C'est ça qui constitue d'abord la première crise au niveau de l'Europe. Et ensuite, un peu plus tard, une deuxième crise se développe, cette fois-ci en Allemagne. C'est ça qu'on appelle le blocus de Berlin. Ce qui arrive à ce niveau, c'est que c'est des questions qui n'ont pas été résolues préalablement lors de la conférence de Yalta et de Potsdam, qui n'avaient pas trouvé carrément solution. Donc on arrive en 1948, lorsque le camp de l'Ouest décida effectivement de mettre en exécution Marshall. Alors les États-Unis ont voulu que l'Allemagne, particulièrement le camp de l'Ouest, puisse bénéficier, si vous voulez, de ce plan de partage, donc de cette aide américaine. Et à partir de ce moment, la faisabilité donc, de la distribution, si vous voulez, de cette aide-là, avait amené les États-Unis et ses alliés, pratiquement la Grande-Bretagne donc, et la France, de fusionner leur zone. C'est cette volonté de vouloir fusionner pour créer une monnaie unique qui constitue ici encore un problème réel qui va être source de problèmes, source de conflits. Donc l'URSS va réagir violemment, considérant que le bloc de l'Ouest, particulièrement les États-Unis et ses alliés, ont violé ce qu'on appelle les mesures qui ont été prises à Yalta, qui était une gestion concertée de la zone frontalière. Par conséquent, à leur niveau, pour manifester ce mécontentement-là, ils ont décidé d'isoler, si vous voulez, Berlin de l'Ouest, donc la capitale. C'est ça qui a entraîné le blocus de Berlin. Et à ce niveau-là, les tensions vont être tellement élevées que les États-Unis ont décidé de réagir cette fois-ci. Ce qui s'est passé au niveau de Prague, ils ne souhaitent pas que cela se répète. Ils ont même envoyé une contingence militaire, mais heureusement, encore une nouvelle fois, la sagesse a prévalu. En tout cas, les puissances européennes ont pu convaincre les États-Unis de ne pas utiliser ici donc les armes, mais plutôt de contourner, parce qu'économiquement ils sont solides, donc ils n'ont qu'à installer un pont aérien. Et c'est cette dernière volonté qui a été installée, faite par les États-Unis. Ils ont installé un pont aérien, ils ont mobilisé des avions, des hélicoptères, pendant presque du 24 juin 1948 jusqu'au mois de mai 1949, ils ont alimenté la ville Berlin, si vous voulez, par voie aérienne. C'est ça qu'on appelle le pont aérien.
Et le 23 mai 1945, et un peu même plus tôt, donc l'URSS revenant à de meilleurs sentiments, ont compris qu'il faut lever le blocus, parce que justement ça ne rapportait pas grand-chose, et le blocus a été levé. C'est ça qui a fait que finalement le conflit au niveau de Berlin, de l'Allemagne en tant que tel, ce premier conflit-là, va trouver une solution. Mais les conséquences étaient devenues très graves, parce que les États-Unis, en tout cas le camp de l'Ouest, va décider d'accélérer le processus d'intégration de l'Allemagne de l'Ouest, si vous voulez, dans le camp occidental, en créant ce qu'on appelle l'État fédéral, l'État fédéral, donc ce qu'on appelle la RFA, donc la République fédérale allemande, à partir donc du mois de mai. Et de l'autre côté également, l'URSS va déjà, pas de mois de septembre, le mois d'octobre, le 16 octobre 1949, également à créer ce qu'on appelle la RDA, la République démocratique donc allemande. Donc désormais, l'Allemagne, ce n'est plus un territoire qui est partagé en zones, mais c'est deux États qui sont créés, donc l'État République fédérale allemande et la République démocratique donc allemande qui est du camp de l'Union soviétique et de l'autre côté qui est du camp de l'Ouest. Voici comment la situation va être résolue à ce niveau-là. Mais les mêmes conflits également sont visibles au niveau de l'Asie. Ce n'est pas seulement l'Europe qui a vu ces conflits-là, ces confrontations entre les deux camps, mais également on peut observer les mêmes conflits au niveau de l'Asie, particulièrement en Chine, ce qui oppose Mao Zedong et Chiang Kai-shek. Également au niveau du Vietnam, avec la guerre d'indépendance contre la France. Mais en même temps, au niveau de la Corée. C'est à ce niveau-là que la situation est plus grave. Donc la crise de Corée, elle est très grave. Pour la crise de la Chine, c'est une guerre d'indépendance, une guerre civile d'abord entre donc, les Chinois, Mao Zedong en tant que communiste, Chiang Kai-shek en tant que nationaliste, président de la République soutenu par les États-Unis et Mao Zedong soutenu par l'URSS. Mais on voit ici un conflit qui est interne. Par la suite, Mao réussit à remporter donc la victoire et proclamer la République populaire de Chine qui va automatiquement rejoindre le camp de l'Est. Maintenant, au niveau du Vietnam, c'est également un processus d'indépendance lié à la vacance du pouvoir. Quand le Japon occupe donc le Vietnam de manière globale, la région, quand la France et l'Inde sont retirées, le Japon va occuper, si vous voulez, cet espace-là. Et fort heureusement, en tout cas pour la région, le Japon capitule en 1945. Et les dirigeants, les nationalistes à l'époque, donc ils vont profiter de cette vacance du pouvoir à travers leur leader charismatique Ho Chi Minh pour proclamer l'indépendance du Vietnam le 2 septembre donc 1945. C'est le retour de la France en 1946 qui va entraîner le conflit naturellement. Et la France qui est intégrée au bloc de l'Ouest, donc l'Ouest va soutenir la France et c'est ça qui va transformer ce conflit de guerre d'indépendance en une guerre froide. Raison pour laquelle donc le Vietnam est cité comme un conflit de la guerre froide lorsque de part et d'autre les deux parties sont soutenues par les deux superpuissances. Mais si on vient au niveau de la Corée, qui est la question la plus difficile et la plus grave, qui est le conflit qui a failli même provoquer un second conflit mondial, la crise était devenue autre chose et c'est ça parce qu'il va entraîner d'ailleurs même la division, la partition de la Corée en deux. D'abord en 1945, la situation se pose à ce niveau. Donc l'URSS avait réussi à libérer donc, la Mandchourie, la Mongolie intérieure, les îles Kouriles, les îles Sakhalines et a même installé son camp à cette partie-là, la partie du nord de la Corée. De l'autre côté, au niveau du sud, les États-Unis, qui sont en conflit avec le Japon dans le Pacifique également, avaient réussi à installer une base militaire au niveau du sud, dont la ligne de démarcation est le 38e parallèle. Et lorsque la guerre est finie, malheureusement, donc, ce qui se passe au niveau de la Chine, la région est totalement embarquée dans des questions nationalistes et d'indépendance. À ce niveau-là, l'opposition idéologique qui s'est également installée entre l'URSS et les États-Unis, donc ne vont pas faciliter, si vous voulez, la situation. C'est ça qui va créer ce conflit généralisé et finalement le rapport de force entre les États-Unis et l'URSS. Donc à ce niveau, dès 1946-48, donc les États-Unis et l'URSS se sont retirés à partir de 1948. Et 1949, des élections sont organisées croyant que les deux parties ont recouvré la paix. Mais malheureusement, à leur départ, ils ont laissé, si vous voulez, la population coréenne profondément divisée. Le nord communiste, le sud capitaliste. Donc, croyant que le conflit est vidé, donc ils ont quitté, mais ils ont laissé la Corée seule. C'est comprenant que ce qui se passe au niveau de la Chine
qui est devenue une Chine révolutionnaire avec Mao Zedong dès 1949, qui réussit à battre Chiang Kai-shek et faire de la Chine une Chine communiste, ça va donner également des idées avec les Coréens du Nord et qui donc ils partagent la frontière. Et c'est ça qui va provoquer, un peu plus tard, pas de 25, si vous voulez, juin 1950, le début du conflit lorsque le Nord a décidé d'envahir le Sud. Donc la guerre de Corée va démarrer carrément à partir de 1950, donc le 20 juin 1950, c'est le début du conflit. Et malheureusement, à partir de ce moment, la question devient très difficile parce que justement les États-Unis vont décider de voter une résolution au niveau de l'ONU pour conduire une contingence pour venir soutenir, si vous voulez, les Sud-Coréens. Parce que justement à cette époque-là, donc le RSS était absent au niveau des Nations Unies. C'est comme ça, par l'intermédiaire de cette contingence conduite par le sénateur MacArthur, ils vont descendre au niveau de Séoul pour appuyer, si vous voulez, les Coréens du Sud, et le conflit devient un conflit généralisé. Et dès 1951 également, la Chine et l'URSS, qui soutient la Chine et la Corée du Nord, donc les Chinois vont mobiliser plus de 1 million de soldats pour venir soutenir leurs frères nord-coréens. Et c'est ça qui fait que finalement, la question devient une question très difficile. Et à partir de ce moment, ils vont réussir même à repousser, si vous voulez, les Américains et leurs alliés jusqu'à atteindre Séoul en 1951. Donc, voyez-vous, la question est très difficile. Et les États-Unis même, à travers MacArthur, qui souhaitent utiliser la bombe atomique contre la Chine. Donc, voyez-vous, on était arrivé à un niveau si grave. Il croit que pour résoudre définitivement la question de la Corée, il faudrait que je tue la bombe atomique. Mais fort heureusement, tout le monde à l'époque, il a eu la sagesse de refuser d'utiliser la bombe atomique. Mais tout de même, ils vont réussir à repousser encore une nouvelle fois donc les Nord-Coréens jusqu'au niveau du 38e parallèle. À partir de 1953, donc le 27, les négociations qui ont repris entre les parties et ils ont pu trouver une solution. Donc ce qu'on appelle, ils ont convoqué la rencontre de Panmunjom, la résolution de Panmunjom qui va réussir à diviser donc la Corée en deux états, donc le sud en tant que république sud-coréenne dont la capitale est Séoul et la Corée du Nord avec comme capitale Pyongyang. Donc à partir du 27 donc juillet 1953, une résolution est signée qui divise la Corée en deux. C'est comme ça finalement que le conflit va prendre fin, mais c'était une situation très grave qui a failli plonger le monde dans un troisième conflit mondial. Donc voici un peu, de manière très résumée, les éléments de détail qu'on pouvait évoquer dans cette partie-là. Voilà, monsieur. À partir de 1953, nous entrons dans une nouvelle phase, dite coexistence pacifique. Quelles sont les causes et comment se manifeste cette coexistence? Merci beaucoup, mademoiselle Dior. Effectivement, à partir de 1953, nous assistons à une nouvelle période qui commence. Parce que justement, au sorti de 1953, les conflits étaient difficiles. Mais, fort heureusement, avec la coïncidence de l'arrivée au pouvoir d'un certain nombre d'hommes politiques, particulièrement au niveau de l'URSS et les États-Unis, vont aider le monde à entrer dans une phase qu'on a appelée une phase de paix. Une phase de paix. Mais il y a une courte période entre 1953 et 1956 qui va inaugurer la coexistence pacifique. Cette courte période est appelée période de dégel, qu'on appelle période de détente. En réalité, la coexistence pacifique est encadrée sur les bas deux périodes de détente, donc deux périodes de dégel. D'abord, la première période 1953, comme je viens de l'indiquer, au niveau de l'URSS, le président Staline, malheureusement, est décédé, et celui qui est arrivé au pouvoir, c'est le président Khrouchtchev. Lui, il a une vision beaucoup plus, si vous voulez, du monde, beaucoup plus souple, une diplomatie en tout cas plus souple, et il va même, si vous voulez, prendre à contre-pied la volonté américaine de voir le monde s'apaiser, parce qu'il a compris qu'en réalité, ce conflit-là n'apporte pas grand-chose, en tout cas pour le progrès de l'humanité. C'est pourquoi, si on prend les écrits de romancier soviétique qu'on appelle Ilya Ehrenburg, a écrit en 1954, si vous voulez, un roman intitulé « Le dégel ». Donc, pour vous dire qu'on est dans une période qui était quand même une période de paix relative, les facteurs sont très simples. Parce qu'une fois que Khrouchtchev arrive au pouvoir, il s'implique d'abord dans la résolution du conflit coréen. Il va participer activement à trouver des solutions au conflit coréen. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la date du 27 juillet 1953, ce n'est pas une date anodine. Donc, il a participé à cette solution-là. En même temps, le conflit qui existe entre la France et le Vietnam
Donc en 1954, également, Khrouchtchev s'implique carrément donc, pour trouver une solution. Alors, voyez-vous, il ne s'intéresse pas simplement au camp de l'Est, mais il s'implique même ce qui se passe au niveau du camp de l'Ouest. Et il part encore même plus loin en 1953, il se réconcilie avec Israël, ce qui n'était pas attendu. Donc ces moments si importants, celui qui est arrivé de l'autre côté au pouvoir aux États-Unis, c'est le président David Davide à Genève. Donc lui-même au départ qui avait pris une ligne très dure, parce qu'au moment où Truman, on parlait de doctrine Truman, lui il parlait de doctrine de refoulement. Donc voyez-vous, il a pris une option très sérieuse pour raviver encore les tensions. Mais quand il a vu de l'autre côté, si vous voulez, Khrouchtchev avoir, si vous voulez, une vision politique plus souple, il a compris qu'en réalité, donc il faut suivre la vision de Khrouchtchev. Il a participé à cet effort de réconciliation. Et lui-même, il va céder parce qu'il va permettre à l'URSS d'adhérer au niveau de l'UNESCO en 1954 pour preuve qu'à son tour également, il est court pour cette période relative-là. Donc voici cette période très courte qui est si intéressante, qui va créer un climat d'apaisement. Et en 1956, le président Khrouchtchev, dans le 20e congrès, donc organisé le congrès de donc, communiste, il va même lâcher le mot de coexistence pacifique. Donc cette cohésion pacifique devient une réalité et ceci, on peut citer quelques facteurs en dehors de ce moment de dégel, de réconciliation ou en tout cas d'effort qui est noté de part et d'autre. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, qui indiquent carrément que cette cohésion-là était une obligation. D'abord, le premier élément, c'est la course aux armements. Elle est arrivée à un niveau tellement élevé qu'on ne croit pas, est-ce qu'il y a un camp peut être à mesure de remporter la guerre s'il y a guerre, parce que les États-Unis n'ont plus le monopole de la bombe atomique. En 1945, certes, c'est eux qui détenaient le secret de la fabrication de la bombe atomique, mais l'URSS, en 1949, a réussi à fabriquer la bombe atomique. En 1952, les États-Unis élèvent la barre, ils fabriquent la bombe donc nucléaire hydrogène, et l'URSS également réussit à la fabriquer, donc si vous voulez, en 1953. Donc, voyez-vous déjà, du point de vue d'armement, aucune puissance à cet effet est capable de remporter la guerre. Donc, c'est ça qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Donc, c'est à ce niveau-là que Khrouchtchev indiquait que si nous sommes armés, donc à ce niveau-là, c'est pour que la guerre ne soit pas déclenchée. Donc, on s'est armé pour qu'il n'y ait pas la guerre. De toutes les façons, on n'est pas sûr que si une guerre est déclenchée, nous allons la gagner. Et nous ne sommes pas sûrs que les États-Unis également sont capables de gagner une guerre de cette nature-là avec des armes aussi sophistiquées. Donc pourquoi pas la paix? Pourquoi pas ne pas permettre à l'humanité de profiter, si vous voulez, de ce moment-là pour son développement? Donc voyez-vous, le premier élément de base qui va faciliter ce rapprochement, donc, et avant tout, est le militaire. Ensuite, deuxième niveau, on peut dire qu'au niveau des camps, à l'intérieur des camps, il y a ce qu'on appelle une frustration, très clairement. Donc il y a des contestations. Donc, qui existe au niveau des deux camps, au niveau de l'URSS, la Chine commence quand même avec Mao, avec ses plans, si vous voulez, de développement en 1960. On voit l'échec donc, du grand bond en avant. Il accuse, entre autres, l'URSS d'être à l'origine. Et automatiquement, la Chine commence à critiquer sévèrement. Et même les pays de l'Europe de l'Est également commencent à critiquer donc, le pacte de Varsovie qui est installé en 1955. Donc, voyez-vous, cette situation-là fait que finalement, il y a une fragilité à l'intérieur du bloc de l'Est. Et on peut observer également le même phénomène au niveau du bloc de l'Ouest, parce que la France, qui souffre d'abord au niveau du Vietnam, commence à être, si vous voulez, du point de vue des critiques qu'elle peut entendre du côté des États-Unis dans le cadre du processus des indépendances. Elle en a marre. Et De Gaulle, à l'époque, a voulu être indépendant. Et donc, il critique. Et d'ailleurs, il a claqué la porte. Donc, voyez-vous, il y a une situation assez difficile à l'intérieur des blocs. Et le troisième niveau, qu'on peut considérer comme un facteur essentiel, c'est l'émergence du tiers-monde. Donc, c'est un mouvement très fort qui fait que finalement, les pays du tiers-monde, avec l'Inde qui a recouvré son indépendance dès 1947, donc la Chine, qui est déjà une puissance émergente avec Mao Zedong, donc ces pays-là se sont mobilisés justement pour apporter leur aide au reste des pays qui sont colonisés. Et c'est comme ça qu'une conférence est convoquée à Bandung en 1955, qu'on appelle la conférence des non-alignés. Et désormais, ils vont faire le choix, ils refusent catégoriquement de s'aligner, si vous voulez, par rapport à cette bipolarisation. Ils souhaitent que les puissances qui voudront les aider à recouvrir leur indépendance, ils marcheront avec ces gens-là. Donc, les deux superpuissances ont compris que s'ils ne
s'ils ne prennent garde, donc ils vont perdre, si vous voulez, cette suprématie de domination, cette hégémonie très claire. Donc ils ont compris qu'il faut se rapprocher, qui constitue des moments très essentiels et qui fait que finalement nous entrons dans une phase de coexistence pacifique. Par contre, il y a eu des temps, donc si vous voulez, de difficultés, de confrontations qui vont émerger dans cette longue période de coexistence pacifique. On est ici en 1953 à 1975, dans cette période de graves crises vont également être notées. Donc parmi ces crises-là, on a ce qu'on appelle la deuxième crise de Berlin en 1961, ensuite la deuxième crise de la crise de Cuba en 1962, et même la guerre du Vietnam qui a commencé en 1965, qui sont des moments très difficiles, voilà, qui vont marquer cette période de coexistence pacifique. Donc en réalité, si on parle de période de coexistence pacifique, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de cette période, il n'y a pas de crise. D'ailleurs, les crises les plus difficiles en dehors de la guerre de Corée, ce sont ces trois crises-là donc, qui ont marqué la période de coexistence pacifique. Donc si on prend le cas de Berlin, par exemple, en 1961, encore, ce qui va être à l'origine de la crise, c'est que c'est l'URSS encore une nouvelle fois qui va mettre sur la table la question allemande, en accusant le bloc de l'Ouest d'être à l'origine de cette saignée de population de l'Est vers l'Ouest, ce qu'on appelle la politique migratoire. Or, en réalité, c'est l'Ouest qui est carrément développé et que les gens de l'Est partaient chercher surtout, si vous voulez, travail au niveau de l'Ouest. Mais l'URSS va encore tirer sur la ficelle pour accuser donc, les États-Unis de vouloir effectivement provoquer ces saignées de population de l'Est vers l'Ouest. C'est pourquoi dans la nuit du 12 au 13 août, donc 1961, finalement, l'URSS a barricadé, a construit, si vous voulez, un mur qui va séparer donc définitivement l'Est et l'Ouest. Et c'est ça ce que disait d'abord Churchill. Donc c'est la confirmation, quand Churchill disait en 1945 et 1946, que le rideau de fer est installé au niveau de l'Europe. Donc la construction du mur de Berlin était la concrétisation de ce rideau de fer-là. Les États-Unis ont envoyé donc des soldats, près de 500 soldats, pour justement pour réagir. Mais heureusement, en tout cas, de manière globale, l'Europe, les puissances européennes, donc n'ont pas voulu que le conflit soit encore déclenché. Et c'est comme ça que le mur est installé. Donc voyez-vous, en ce moment de période de paix ou de coexistence pacifique, les puissants-là sont arrivés encore à une crise très grave qui arrivait à diviser donc, l'Europe à travers le mur de Berlin. Et ensuite, un an après, donc plus tard en 1962, une autre crise se développe, cette fois-ci pas en Europe, mais pour la première fois au niveau du continent américain, précisément à Cuba. Et c'est une grande première, et cette crise-là, elle va être encore plus grave même que la crise de 1961. Pourquoi ? Pas simplement, pour la première fois depuis le début de la guerre, le conflit est carrément déplacé dans le continent américain, hors Cuba et à quelques encablures, si vous voulez, des États-Unis. Ce qui va se passer à ce niveau-là, c'est Fidel Castro qui arrive au pouvoir. Donc, par coup d'État, il réussit à écarter du pouvoir le président Fulgencio, donc il prend le pouvoir. Mais Fidel Castro, lui, il est communiste naturellement. Et du point de vue des relations diplomatiques, il entraîne des relations bilatérales. Donc avec l'URSS, qui trouve ici une occasion formidable, puisque souvenez-vous, quand on parlait de la formation des blocs, les États-Unis avaient réussi à construire des blocs un peu partout à travers le monde. D'abord, le bloc militaire qui était le plus essentiel, c'est l'OTAN, en 1949. Ensuite, ils créent l'OTAN, donc au niveau de l'Asie, en 1953-54. Ensuite, ils créent ce qu'on appelle le pacte de Bagdad et même le pacte d'Anjou en 1950. Donc, c'est comme si ils avaient enveloppé l'Union soviétique. Or, l'Union soviétique n'avait pas eu cette opportunité-là. Tout ce qu'elle avait créé comme structure militaire, c'était le pacte de Varsovie. Donc, l'Union soviétique avait ici une formidable occasion donc, de se rapprocher des États-Unis éventuellement quand un conflit arrivait à être déclenché. Donc, ils pouvaient atteindre les États-Unis. C'est comme ça qu'ils ont pu installer au niveau de Cuba. Donc en 1962, au mois d'octobre 1962, donc si vous voulez, donc des missiles, des rampes de missiles qui sont orientées contre les États-Unis. Et quand le président américain, donc Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, découvre l'installation de ces missiles orientés vers Washington, donc ils ont compris que la menace elle est très grave et ils ont réagi violemment en demandant à l'URSS de détruire, donc d'enlever ces rampes de missiles installées. C'est ce que l'Union soviétique, dans un premier temps, a refusé de faire avec le président Khrushchev.
Donc, comprenant que ce n'est pas possible de le faire, donc c'est dans le cadre de l'action diplomatique. Et c'est ça qui va faire que finalement, le conflit devient un conflit très grave. Et les États-Unis donnent un ultimatum à l'Union soviétique d'enlever rapidement les missiles, sinon ils vont déclencher, si vous voulez, un conflit et ils vont d'abord avant tout détruire l'île de Cuba, naturellement. Mais heureusement, le Vatican, comme les Nations Unies, vont entrer en action pour amener, si vous voulez, les deux parties à se retrouver et négocier. Fort heureusement, le 28 octobre 1962, donc Khrushchev a fini par accepter de démanteler les missiles et quitter définitivement l'Union donc de Cuba, même s'il pose des conditions pour dire que nous quittons, mais nous voudrions que vous n'attaquiez pas Cuba et en même temps que vous enleviez les missiles que vous avez installés au niveau de la Turquie, ce qui était naturellement pour les États-Unis qui n'était pas un problème. Par les conditions qu'ils ont posées, c'était qu'ils quittent effectivement Cuba et que les missiles qui sont orientés vers eux, que ça soit totalement démantelé. Donc, voyez-vous, dans cette période de cohésion pacifique, on a eu quand même deux grandes crises. D'abord 1961, ensuite 1962, même si on peut noter plus tard, un conflit qui va opposer les États-Unis et le Vietnam, qui commence en 1965. Et cette guerre-là va durer jusqu'en 1973. Donc si on note, on considère cette période de cohésion pacifique de 1953 à 1973-75, on relève également ces périodes de crise élevées. À partir de 1962, on va entrer dans une nouvelle phase de détente. C'est pourquoi je vous disais au départ que cette longue période est encadrée par deux périodes de dégel. D'abord 1953-56, à partir de 1964, lorsque l'URSS donc, a sanctionné, en tout cas Khrushchev, il a été démis de ses fonctions, il est remplacé par Léonide. Donc cette période 1964 jusqu'à 1975, c'est une période d'accalmie, en tout cas du point de vue de confrontation ou entraide entre l'URSS et les États-Unis. Donc cette période-là va s'achever par de 1973, qui est la première session avec la conférence d'Helsinki, et la deuxième session qui va être tenue en 1975, donc marque, si vous voulez, la fin de la période de la coexistence pacifique. Mais quand même, il y a des exemples à l'intérieur qui ont prouvé tout de même qu'on est dans une phase d'accalmie, parce que les relations entre les deux superpuissances continuent également à se manifester sous d'autres formes. C'est pas ces trois crises qui sont relevées qui indiquent que voilà, cette période de coexistence pacifique, c'est une période en réalité de conflit, mais non, il y a des exemples qui sont bien clairs, qui font quand même il y a une solide relation entre les deux superpuissances. Ils ont réussi à concrétiser. Puis si on prend l'exemple à partir de 1963, ils ont réussi à insérer ce qu'on appelle le téléphone rouge. Voilà, pour qu'ils leur permettaient de se concerter en cas de difficulté majeure. Ils ont signé des accords non-prolifération des armes nucléaires ou les essais nucléaires non souterrains, qui a commencé en 1963 et la signature a été effectuée en 1968. Mais également en 1957, si vous voulez, l'URSS, à travers Khrushchev, ils ont supprimé ce qu'on appelle le commun forme. Donc, il y a une volonté réelle de montrer qu'ils ne sont plus dans une situation de conflit. Et même, il y a eu le déplacement de Khrushchev qui a rendu visite, qui est parti en visite d'État aux États-Unis, donc en 1959. Donc, pour dire qu'à l'intérieur de cette période, même si on a des crises profondes, il y a eu quand même des exemples qui indiquent carrément, quand on dit de coexistence pacifique, il y a des moments de relations intenses qui ont lié les parties. Même si on peut évoquer également les deux présidents qui sont arrivés à la tête des deux superpuissances là, donc qui ont été de manière globale des hommes de consensus qui ont voulu faire prévaloir donc la paix pour faire bénéficier, alimenter, si vous voulez, cette question de moment important. Donc voici un peu de manière très ramassée ce qu'on peut indiquer au niveau de la paix de coexistence pacifique. Donc voyez-vous, si je me résume, j'ai indiqué trois phases. D'abord 1950 à 1956, on peut dire que c'est une phase de dégel, tel que je l'ai indiqué, des efforts qui sont notés par Khrushchev, qui a participé dans la résolution du conflit au niveau de la Corée, qui a abouti à la signature du pacte de Panmunjom, qui divise la Corée tout de même donc, en deux États, donc la Corée du Sud et la Corée du Nord. Ensuite, l'implication de Khrushchev dans la résolution du conflit donc, au niveau du Vietnam, Indochine, qui oppose la France et le Vietnam en 1954, mais en même temps, Khrushchev qui se reconcilie avec Israël en 1953. Et en 1954, également les États-Unis qui permettent à l'URSS d'adhérer au niveau de l'UNESCO. Donc, vous voyez, c'est un moment d'accalmie. Et c'est ça qui va inaugurer. Mais le point de fond que j'ai indiqué, qui constitue les vraies causes, les vrais facteurs de la puissance pacifique, c'est qu'en réalité, du point de vue armement, c'est les deux superpuissances sont arrivées à un niveau d'armement tel qu'il est presque quasi impossible
de déclencher un conflit. Et là, c'est ça qu'on appelle l'équilibre là, la terre ou bien la pâté nucléaire. Donc les deux superpuissances détiennent des bombes atomiques, des bombes nucléaires, des bombes hydrogènes qui sont très vite. Et finalement, on ne croit pas qu'une puissance pourrait remporter la bataille au cas où un conflit est déclenché. Deuxième niveau d'élément qui est également essentiel, nous avons dit, c'est la frustration, les difficultés observées à l'intérieur des blocs. Donc de part et d'autre, les blocs souffrent. Et troisième niveau, nous avons dit, c'est l'émergence du tiers monde qui refuse de s'aligner dans le cadre de la bipolarisation. Soit ils restent avec les États-Unis, ils sont contre l'URSS, ou bien ils sont avec l'URSS, ils sont contre les États-Unis. Donc, voyez-vous, ils refusent de s'aligner complètement. Et les deux surpuissants ont compris que s'ils ne réagissent pas autrement, ils vont perdre même ce qu'on appelle leur hégémonie. Et c'est pourquoi donc, ils ont apaisé à leur niveau et ça a permis quand même d'arriver à ce niveau d'apaisement. Ensuite, à l'intérieur de cette période de conflit pacifique, nous avons dit qu'il y a ce qu'on appelle des crises. Parmi les crises les plus latentes, c'est la crise de 1961, donc la deuxième crise de Berlin. Nous avons dit la cause fondamentale de la crise, elle est liée, si vous voulez, au fait qu'au niveau de l'Est, il y a eu quand même un déplacement massif de population qui quittait l'Est vers l'Ouest. L'URSS voit en cela comme une provocation de l'Ouest qui manigance quelque chose, mais en réalité, c'est l'Ouest qui est développé. Donc, il remet sur la table encore le dossier de Berlin, et c'est ça qui va aboutir malheureusement à la construction du mur de Berlin pour indiquer que le niveau de tension à travers ce mur-là qui est érigé. Et malheureusement, ce mur érigé en 1961, il restera jusqu'en 1989. Donc, voyez-vous combien de fois que la question est difficile. Et c'est ça qui a concrétisé même ce que disait Churchill par rapport à l'installation d'un rideau de fer. Troisième niveau, deuxième conflit, ou bien deuxième crise, c'est la crise de 1962, donc qui s'est produite à Cuba, dont la cause fondamentale est l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir en 1959. Fidel Castro, lui, il est communiste. Naturellement, pour la première fois, depuis le début du conflit, un pays de l'Amérique qui est devenu communiste pour s'allier avec l'URSS. Et du point de vue de l'action diplomatique, donc bilatérale, l'URSS a réussi donc à faire introduire au niveau de Cuba des missiles à partir d'octobre 1962. Et quand les États-Unis ont pu découvrir cet arsenal de guerre braqué vers eux, donc ils ont compris que c'est une menace qui est imminente. Et ils vont demander à l'URSS effectivement d'émanuer les missiles. Dans un premier temps, l'URSS refuse. Et c'est ça qui va provoquer, si vous voulez, la crise. Et les États-Unis n'ont pas hésité à donner un ultimatum à l'URSS pour qu'elle puisse dégager ça. Et sinon, cette fois-ci, tel que je l'avais indiqué un peu plus tôt, ce qui s'est passé au niveau de Prague, le 25 donc février 1948, ce sont les Européens qui ont pu dissuader les États-Unis à ne pas entrer en guerre. Parce que l'Europe ne peut pas, une nouvelle fois, supporter une troisième guerre mondiale. Ensuite, le blocus de Berlin, c'est la seule accord européenne qui fait que les États-Unis encore n'entrent pas en guerre contre l'Union soviétique parce qu'ils ne sont pas prêts encore à endosser la responsabilité d'une troisième guerre mondiale. Donc, voyez-vous, la scène européenne réussit à faire triompher ou en tout cas à dissuader les États-Unis à un déclenchement. Mais cette fois-ci, la question, le conflit, c'est dans le continent américain. Donc, les États-Unis, ils disent aux Européens, écoutez, ce n'est pas dans votre sol, c'est dans le sol américain, c'est une question nous concernant cette fois-ci. Soit l'URSS démantèle les missiles ou bien le conflit il est ouvert. Donc, voyez-vous, et quand Khrushchev a pris conscience du danger, donc de, si vous voulez, de cette provocation-là, avec l'implication donc, du Vatican, je ne dirais pas que c'est eux qui ont sollicité, mais en tout cas, avec l'implication du Vatican et l'implication de l'ONU, ils ont pu trouver une solution et la date du 28 octobre 1962, ils ont décidé de démanteler effectivement les fusées, même s'ils ont posé quelques conditions que les États-Unis, naturellement, ont pu accepter. Donc c'est ça qui constitue d'abord le deuxième conflit, ou bien la deuxième crise dans cette période de conflit pacifique. Et enfin, donc 1965, quand les États-Unis également entrent en conflit contre une nouvelle fois donc, le Vietnam, et ça également est considéré comme un conflit très difficile. Qui va durer d'ailleurs jusqu'en 1973, quand Richard Nixon décida finalement de rapatrier les soldats, les GIs, qui mettra fin au conflit à partir de 1975. Donc, voilà cette période de cohésion pacifique finalement qui va s'achever à partir de 1975. C'est encore une phase d'accalmie qu'on a tendance à qualifier période de dégel parce qu'il y a absence d'une confrontation tête ou indirecte entre l'URSS et les États-Unis.
Donc on dit que nous sommes dans une deuxième phase de détente jusqu'à 1975, marquant une nouvelle phase qui va encore naître dans les relations Est-Ouest. D'accord, monsieur. Et maintenant, nous sommes en 1975. Et après 1975, les tensions reprennent à nouveau. Je voudrais savoir quels sont les facteurs de ce fait. Alors, c'est une très belle question. Donc, à ce niveau, à part de 1975, il y a ce qu'on appelle une conférence qui est convoquée à Helsinki. Donc, je disais tout à l'heure, d'ailleurs, si on dit que c'est la période marquant la fin de la coexistence pacifique, c'est parce que lors de cette conférence-là, les Européens, les Occidentaux de manière globale, vont reprocher à l'Union, à l'URSS, si vous voulez, un certain nombre d'éléments, dans un premier temps, d'avoir carrément profité de cette période de coexistence pacifique, si vous voulez, pour se refaire le blason, ensuite vouloir provoquer, et surtout, à partir de 1966, de rompre ce qu'on appelle le pacte de l'équilibre des forces. Imaginez-vous. En cette période, l'URSS encore fabrique une nouvelle fois des missiles, qu'on va appeler les missiles SSV, et il va les orienter vers encore l'Europe occidentale. Donc, c'est comme si, en 1962, on n'a pas tiré les leçons de 1962 avec la crise de Cuba. Pourquoi l'URSS fabrique des missiles SSV et les installe au niveau de son flanc ouest et les oriente contre l'Europe de l'Ouest? C'est une provocation. Une provocation encore une nouvelle fois qui va faire renaître les tensions. C'est pourquoi on parle ici de guerre fraîche. On est dans une nouvelle tension, mais des tensions mineures qui vont être intitulées la guerre fraîche. Donc 1975-1985. Ensuite, en 1979, l'URSS, comme si cela ne suffisait pas, ils vont envahir l'Afghanistan. Donc voyez-vous, on est encore dans une reprise des conflits comme nous les avons notés. Donc les États-Unis ont compris que l'URSS est dans une situation, donc dans une provocation, donc les tensions reprennent à partir de ce moment. Et encore, à partir de 1980, il y a ce qu'on appelle la prise des otages au niveau de l'ambassade donc américaine à Téhéran. Alors c'est ça qui va aggraver la situation. Automatiquement, les Américains réagissent par rapport à cette montée donc, de la violence provoquée par l'URSS, et à leur niveau, ils vont durcir leur politique. C'est pourquoi ils vont décider dans un premier temps d'arrêter automatiquement les subventions qu'ils octroyaient à l'URSS, surtout les subventions de céréales en tant que telles. À partir de 1980 également, ils décident de boycotter ce qu'on appelle les Jeux olympiques qui doivent être organisés à Moscou. Mais Ronald Reagan qui arrive au pouvoir à partir de 1981, alors il décide d'appliquer une politique plus ferme. Il va mettre en place ce qu'on appelle des missiles, les missiles Pershing, et il va les installer au niveau de l'Europe de l'Ouest, également les orienter contre l'URSS, pour défendre, si vous voulez, cette zone donc occidentale de l'Europe de l'Europe de l'Ouest. Donc, voyez-vous, la tension, elle est au plus haut niveau. Pour que ce qui s'est passé au niveau de Cuba ne se reproduise pas, il va même aller plus loin pour essayer, au niveau des pays de l'Amérique latine, de refuser catégoriquement, si vous voulez, l'expansion du communisme, ou bien en tout cas des mouvements révolutionnaires naissants. Quand on observe ce qui s'est passé au niveau de Cuba, beaucoup de pays de l'Amérique latine voudront reproduire le modèle cubain, donc la révolution. Automatiquement, les États-Unis, pour empêcher l'URSS d'avoir une influence très réelle, donc se tournent vers son continent. De 1980 à 1983, ils vont faire des interventions carrément pour empêcher le développement du communisme, ou en tout cas même soutenir des dictatures des fois, rien que pour empêcher que l'URSS puisse avoir des alliés à ce niveau-là. Donc cette période de 1975 jusqu'à 1985, c'est cette reprise des tensions qu'on a appelée la guerre fraîche qui va mettre fin, si vous voulez, à cette longue période de coexistence pacifique. Alors les tensions sont très claires. Mais heureusement, à partir de 1985, une nouvelle situation s'offre et on va encore s'orienter vers une nouvelle phase. Okay. Donc en 1985, on va entrer dans une nouvelle phase. Oui. Donc je peux dire que nous en sommes presque vers la fin de la guerre froide. Exactement. Okay. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les causes et comment elle se termine cette guerre. Exactement. Donc vous avez posé une très belle question. À partir de 1985, on va assister à l'arrivée au pouvoir, si vous voulez, de Gorbatchev. Cette fois-ci, donc, qui arrive au pouvoir. Donc, l'URSS s'est installé dans une instabilité politique parce que Léonide, qui va malheureusement décéder en 1982, il est remplacé par, donc si vous voulez,
entre 82 et 84, les présents qui arrivent également, malheureusement, ils sont des personnes âgées et ils vont mourir avec Constantin qui remplace, si vous voulez, pour ça ne me revient pas un peu. En tout cas, de 1982 à 1985, on a une instabilité politique. Ce que les dirigeants soviétiques, très souvent, entre 82 et 84, celui qui a remplacé, si vous voulez, Léonid, va mourir. Ensuite, 84-85, celui qui arrive au pouvoir, Constantin également, va mourir. Et c'est comme ça que finalement, donc Gorbatchev va aller au pouvoir. Donc, voyez-vous, entre 1982 et 1985, c'est trois chefs d'État qui arrivent au niveau de l'URSS. Et ça crée une instabilité politique. En 1985, Gorbatchev arrivant au pouvoir, il a constaté amèrement que la situation économique de l'Union soviétique est au chaos et au bord du gouffre. Donc il faut faire des réformes. C'est cette volonté de Gorbatchev de vouloir faire des réformes qui sont intitulées, si vous voulez, le Glasnost et la Perestroïka, donc restructuration et transparence. C'est ça qui va conduire l'Union soviétique, si vous voulez, à entrer, si vous voulez, dans une situation très difficile. Et automatiquement, pour mettre en application cette politique-là, Gorbatchev n'a pas hésité à se rapprocher des États-Unis, carrément. Parce que sa volonté, c'est quoi? La priorité fondamentale pour lui, c'est d'abord l'économie de l'Union soviétique. Parce qu'il avait constaté trois faits majeurs. Il a constaté que l'Union soviétique, son économie est au bord du gouffre, à cause de la lourdeur de la bureaucratie, qui est très difficile. Mais toute l'économie est orientée vers la construction, la fabrication des armes, qui consomme également énormément. Mais de l'autre côté, également, le pacte de Varsovie coûte très cher à l'Union soviétique. Alors comment se fait qu'à l'intérieur de l'Union soviétique, en tout cas d'abord le pays en tant que tel, il souffre économiquement et comment il peut supporter d'autres dépenses ailleurs? Donc il croit qu'il faut résoudre d'abord au niveau interne cette crise économique latente et difficile, ensuite s'orienter vers l'extérieur. Donc pour ce faire, il essaie de nouer des relations diplomatiques moins difficile avec les États-Unis, donc la réconciliation, c'est ça qui va entraîner l'apaisement. Ils vont signer d'ailleurs un certain nombre d'accords de 1986-1987. Mais à partir de 1989, il va prendre une décision inédite qui va mettre fin presque au conflit de la guerre froide. Parce qu'il se rend au niveau de, donc le 6 juin 1989, il se déplace en Europe devant le Conseil européen, il fait une déclaration devenue inédite. Il dit devant le Conseil européen que désormais l'Union soviétique va renoncer tout gain territorial au niveau de l'Europe de l'Est. Mais en même temps, désormais l'Union soviétique ne va pas s'insérer dans les affaires intérieures des pays membres du pacte de Varsovie. Il donnait là un traitement à l'indépendance à ces pays-là. Raison pour laquelle, à partir d'octobre 1989, si vous voulez, donc à partir de novembre 1989, automatiquement, au niveau de l'Allemagne, le mur de Berlin donc tombe. On assiste, si vous voulez, à la fin de ce qu'on peut appeler le rideau de fer. Et beaucoup d'historiens, à part de ce moment, à la chute du mur de Berlin en novembre 1989, ils considèrent que c'était la fin de la guerre froide en Europe. Et en 1990, donc l'Allemagne, la RDA et la RFA, donc se réunissent. Donc la guerre froide est totalement finie en Europe. Les pays membres du pacte de Varsovie recouvrent leur indépendance, donc ils peuvent désormais intégrer, si vous voulez, la sphère de donc, si vous voulez, l'Ouest ou encore n'importe quel système économique qu'ils voudront. Ensuite, en 1991, et c'est là où ça devient très intéressant, à ce niveau-là, on assiste à la dislocation, si vous voulez, du pacte de Varsovie. Donc le pacte de Varsovie est dissous. La dissolution du pacte de Varsovie entraîne immédiatement la fin de la. Donc du bloc de l'Est. Et en décembre, le 25 décembre 1991, Gorbatchev lui-même démissionne automatiquement. Et cette démission de Gorbatchev en décembre 1991 entraîne l'indépendance des pays qui étaient dans la sphère de l'Union soviétique, ce qu'on appelle la communauté économique des États indépendants. La communauté des États indépendants, donc il devient, si vous voulez, indépendant à ce niveau. Donc l'URSS, la fédération en tant que telle disparaît. Et on assiste à la naissance de la Russie en tant que république. À partir de ce moment, si on voit que l'URSS, sa fédération, a éclaté, donc le bloc de l'Est, tous les autres pays membres du pacte de Varsovie ont recouvré leur indépendance, donc c'est la fin du bloc de l'Est. De l'autre côté, le bloc de l'Ouest est resté debout.
raison pour laquelle, à partir de ce moment, on dit que la guerre froide prend fin en 1991 parce qu'un des blocs, justement, éclate. Donc l'éclatement du bloc de l'Est qui a entraîné la fin de la guerre froide. Et désormais, c'est les États-Unis et leurs alliés qui sont les maîtres incontestés donc, du monde, marquant la fin de la guerre froide. Donc on voit ici, comme en 1947, on n'était pas arrivé à une convention. Une guerre, c'est une convention. Donc il y a une déclaration de guerre. En 1947, quand la guerre froide a commencé, on n'avait pas signé pour dire que les États-Unis se déclarent la guerre formellement à l'URSS. Ou l'URSS signe pour dire que se déclare la guerre formellement aux États-Unis. Ça ne s'est pas passé comme ça. Donc c'est une opposition naturelle qui a abouti à cette confrontation-là. En 1991 également, avec l'éclatement du bloc de l'Est, on n'a pas signé pour dire que désormais nous, Union soviétique, nous reconnaissons que nous avons perdu la bataille. Non, c'est parce que le camp est dissous, le bloc est dissous, qui indique que finalement, il n'y a pas une opposition à l'autre côté pour les États-Unis qui marque la fin de la guerre froide. Et désormais, donc on est dans une nouvelle ère d'ordre mondial, où on parlera ici de mondialisation, qui va naître et qui marque effectivement la fin de la guerre froide. Et les États-Unis sont considérés comme les gendarmes du monde, et voilà, est devenu une hégémonie incontestée, comme encore aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on observe à travers le monde. Voici ce qui constitue ici la fin de la guerre froide.